En disant merci Seigneur pour la santé. Oui, ça peut sembler être banal, mais j'aimerais que nous réalisions que alors que nous pouvons acclamer, il y a des gens qui n'ont pas cette force. Alors que nous pouvons nous tenir debout, il y a de ceux qui sont alités. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus pour la vie? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus pour la santé? Merci de t'être donné pour moi à la croix. Merci pour ton sacrifice qui me donne la vie. Chantala manoro sikereba santala. Que je chante. À jamais. Car tu es le chant. Tu es le chant. Que je chante. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Quand je contemple, quand je contemple la grandeur de ton, je ne peux me taire. Mon être entier est entier peut t'adorer. Tu es la mélodie, tu es le chant de mon cœur. Tu es le chant. Faire de l'Éternel le sujet de ses louanges, le sujet de son adoration, non pas ce que l'on peut avoir, mais ce qu'est l'Éternel. Toi qui nous as appelés alors que nous n'avions même pas encore commencé à exister, alors que le monde n'avait pas encore été créé, tu nous avais prédestinés, Seigneur mon Dieu, à être des fils pour toi. Seigneur, nous voulons te dire merci, alors qu'en ce dimanche, tu nous as encore conduits en cet endroit.
Seigneur, nous sommes dans la joie. Parce que dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Et nous voulons les expérimenter aujourd'hui, Seigneur notre Dieu. Nous voulons vivre cette joie qui est auprès de toi. Nous voulons expérimenter, Seigneur mon Dieu, ce que toi tu es capable de faire dans la vie d'une personne. Merci Seigneur. Tu as été avec nous tout au long de la semaine. Et tu nous accordes encore une nouvelle semaine. De tout notre cœur, nous te disons merci. Parce que si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de bien. Quelque chose qui a été tellement louable sur le point que tu viennes dire, alors je lui donne la vie. Non, tout simplement par grâce. Nouvelle année, par sa grâce. Vous voyez, chaque année, chaque fois qu'une nouvelle année commence, jamais personne n'a dit mauvaise année. Nous disons toujours bonne année. Et nous voulons que cette année que nous avons commencé puisse se terminer dans la joie, dans la paix. Selon qu'il est écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous avons bien commencé, alors poursuivons jusqu'au bout. Ce matin, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la réunion des ados qui a été tenue hier au complexe scolaire La Borne. Et nous voulons remercier les parents qui envoient leurs enfants afin qu'ils viennent recevoir les enseignements en rapport avec leur âge. Donc lorsque vous venez au culte, s'il vous plaît, laissez les enfants à l'école de dimanche afin qu'ils reçoivent la formation qu'ils doivent obtenir. Vous savez, si nos enfants sont bien formés aujourd'hui, demain il y aura moins de voleurs, demain il y aura moins de casses, demain il y aura moins de problèmes. Donc voilà, c'est le département des enfants qui remercie le Seigneur pour cela. Et puis il y a eu un mariage hier. La sœur Brunette et le frère Marie-Gloire Mbumba Seke. Est-ce qu'ils sont? Ils sont là? Ils sont là, au premier culte, ils n'étaient pas là. Très fatigués. N'oublions pas de prier, toujours pour les personnes qui entrent dans le mariage. Il y a aussi les remerciements d'une famille. Il s'agit de la famille Moulongo, qui remercie le Seigneur de l'avoir assisté lors du décès des mamans. Chaque fois que nous avons l'occasion d'accueillir un nouvel enfant dans une famille, eh bien, c'est de la reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Et nous allons demander à toute l'Assemblée de se tenir debout pendant que le pasteur Roger va prier en faveur de cette famille. Je vais demander à ce que, si ça ne vous dérange pas, de lever vos mains en direction de cette famille et de cet enfant pour demander la grâce de Dieu alors que nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est devant toi que nous venons apporter ce jeune enfant. Il est écrit à ton sujet que lorsque tu étais aussi jeune, tes parents t'emmenaient dans le temple et il est dit que l'enfant Jésus croissait en grâce et en stature devant Dieu et devant les hommes. Seigneur, nous prions que cet enfant croisse aussi en grâce, il croisse en stature, qu'il atteigne le but de Dieu pour sa vie. Que rien de l'ennemi ne puisse nuire à son développement sur tous les plans de sa vie. Qu'il atteigne le but pour lequel il est venu sur la terre au nom de Jésus. Nous prions aussi pour les parents et toute la famille, afin que tu leur donnes tout ce dont ils auront besoin, afin d'élever cet enfant, non pas seulement en lui donnant tout ce qu'il faut matériellement, mais aussi pour son équilibre en tant qu'enfant de Dieu. Et qu'arrivé à l'âge de la conscience, il choisisse Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Félicitations papa et maman pour le bébé. Et nous voulons souhaiter à chacun d'entre vous que nous puissions passer un bon culte dans la présence du Seigneur. Frère Chami. Alléluia. Amen. Félicitations aux parents. J'aimerais dire à quelqu'un, ton tour aussi arrive. Votre tour aussi arrive. Est-ce que vous le croyez? Si nous le croyons, est-ce que nous pouvons nous lever? Nous voulons célébrer encore le Seigneur. Nous voulons nous réjouir dans sa présence. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. Il y a la paix dans sa présence. Alléluia. Thank you.
cris de joie.
Alléluia. On y va. Beta, Maboko. Beta, Maboko. Est-ce qu'on peut battre des mains? Je ne sens pas dans ma patte. On y va, demain. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Oh, Anaé. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Oh, Anaé. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna,
toi que la gloire te revienne. C'est à toi que nous poussons des cris de joie parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, tu as loué le Seigneur. Tu as dansé pour Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, la louange brise les chaînes. La louange change les situations. À quelqu'un qui loue, ne tient pas compte des circonstances. Est-ce que maintenant quelqu'un peut commencer à dire, Seigneur, je m'attends à toi. Dire, Seigneur, je l'ai chanté. Je rappelle à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à rappeler à Dieu ses promesses? Yahweh Lobaki, Seigneur, tu avais dit, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Oh Seigneur, nos yeux sont sur toi, Seigneur, nos prières vers toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oui, je viens dans ta présence, je viens dans ta présence, mon cœur, mon cœur a soif de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends.
Ghost. Seigneur, encore ce matin, nous avons soif de toi, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes venus, afin de t'encenser, mais aussi de t'écouter. Bénis ces instants, Seigneur, que tu disposes en notre faveur. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Merci. Après ce moment que nous avons permis de nous introduire dans la salle du trône, je vais vous inviter de ne pas sortir de là, parce que le Seigneur va nous parler. Alors allons à ses pieds pour écouter et recevoir la part qui jamais ne nous sera ôtée. Et pour cela, il y a notre pasteur Roger Mouyani que le Seigneur a choisi pour nous apporter les conseils de Dieu. Pasteur, nous vous écoutons. Du Christ. L'épître, c'est quoi? C'est une lettre. C'est une lettre que quelqu'un adresse à une autre personne. Et particulièrement dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a en tout 27 livres. Parmi les 27 livres du Nouveau Testament, vous en avez 21 qui sont des épîtres, des lettres. Souvent, il est considéré que la différence entre l'épître et la lettre, c'est que souvent, les épîtres étaient écrits par des philosophes, des enseignants de l'époque, et c'était souvent lu soit devant l'auditoire, devant une classe, devant une foule de personnes. Et quand les disciples du Seigneur ont commencé à écrire des lettres, c'est ainsi que l'apôtre Paul, par exemple, lui qui a le record, l'homme qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament, c'est-à-dire de manière numéraire, sur les 27 livres, il en a écrit 13 à lui tout seul. Le fait que, tel que nous sommes là, nous sommes une lettre que Dieu a adressée à un monde. À un monde en feu, à un monde en tourment, à un monde qui ne sait plus dans quelle direction aller, à un monde fatigué de tout ce que la science, la technologie, de tout ce que le monde actuel est en train de proposer comme solution. Parce qu'à côté de ce qui semble être une avancée technologique, avancée sur les plans des systèmes de santé et des systèmes sociaux, l'homme est resté toujours prisonnier, prisonnier du péché, prisonnier de ses propres démons, prisonnier même de sa propre technologie et de ses propres armes qu'il a créées. Mais au-delà de toutes ces nouvelles et de tous ces messages que nous entendons à gauche et à droite, il y a un message important qui doit être entendu. Ce message-là, c'est vous. Ce message-là, c'est toi, mon frère. Ce message-là, c'est toi, ma sœur. Ce message-là, c'est moi. Amen. Donc, ceci dit, nous savons de quoi il est question. Nous allons parler des chrétiens en tant que messagers de Dieu. Mais nous ne voulons pas parler de la manière habituelle. Souvent, par messager de Dieu, nous voyons un homme qui ouvre sa bouche et se met à parler. Aujourd'hui, particulièrement, nous voulons réfléchir sur une évangélisation à la bouche fermée. Comment est-ce qu'on peut être un chrétien qui contribue à la mission de l'évangile ? Comment est-ce qu'on peut être un homme, une femme qui permet à la foi chrétienne, à Jésus-Christ d'avancer dans les vies, dans les villages, dans les cités, dans les sociétés, dans les maisons, dans les familles, mais sans ouvrir la bouche? Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, vous êtes l'épître du Christ? Ah, merci, vous l'avez très bien fait. Alors, comme vous l'avez bien fait, nous allons lire ensemble dans 2 Corinthiens, au chapitre 3. 2 Corinthiens 3, je vais lire du 1er au 3e verset. 2 Corinthiens 3, 1 à 3.
L'apôtre Paul écrit, il dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation? C'est vous, Corinthiens, qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. J'aimerais que nous puissions lire un deuxième texte, celui de l'épître de Paul toujours, aux Romains cette fois-ci. Paul écrivait aux Romains et parlait des Juifs. Romains chapitre 2, les versets 17 à 24, ça sera dans cet épître-là. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes? Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Soulignez cela dans votre Bible. Le nom de Dieu est blasphémé à cause des païens. Et pardon, parmi les païens, à cause de vous, comme cela est écrit. Nous voulons réfléchir sur une dimension de l'évangélisation qui va consister à la lettre que le chrétien est. Quel est le message qui dégage votre vie? J'aimerais qu'aujourd'hui, quand le culte finira et que chacun de nous rentrera à la maison, nous puissions nous poser la question, quelle est la contribution de mon caractère sur l'évolution de l'Évangile? Quelle est la contribution de ma manière d'être sur le progrès de l'Évangile? Je donne de mon temps, je vais faire des porte-à-porte, gloire à Dieu. Je donne de mon argent pour l'Évangile. Que nous puissions réfléchir. À côté, je dis bien à côté, je ne dis pas c'est la seule façon d'évangéliser, mais à côté de l'évangélisation que nous faisons souvent, que nous puissions réfléchir sur l'impact de nos vies, sur les personnes. Très jeune, j'habitais un quartier où, dans les années 80, une dame qui était considérée comme une maman dans le quartier, elle évangélisait souvent, elle prêchait, elle entrait dans les maisons des gens. Mais cette maman était connue comme étant une personne de mauvais caractère et de mauvaise vie. Mais elle avait toujours la Bible sous les aisselles. Alors, très jeune, je me souviens aussi que j'étais en train de me dire, avec les amis, vous savez, quand on est trop jeune, là, on a des fois des philosophies, on se disait, si cette maman-là entre au ciel, nous aussi on entrera. Un ami qui était encore plus têtu et téméraire, lui, il disait, si cette maman-là entre au ciel, alors c'est que moi, je suis l'apôtre Paul. C'était une moquerie, mais à la fois cela exprimait la déception que nous avons souvent quand nous avons pour voisins des gens qui prient matin, midi, soir. On les entend dans leur culte familial en train de prier, de parler en langue, mais ils ne vous disent jamais bonjour. On les voit, vous habitez la même parcelle, ils ne vous saluent jamais, ils ne vous disent jamais comment tu vas, mais ils viennent vous donner un traité biblique et même vous inviter à une campagne d'évangélisation, une réunion d'église. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons les yeux, notre vie crie plus fort que nos paroles. Les gens sont touchés beaucoup plus parce que Dieu, elle a été faite chair. Jésus est le message de Dieu transcrit en langage humain. Je vais le dire de manière plus simple. Jésus, c'est le message de Dieu qu'on a transposé sur un être humain à deux pieds qui marchait dans la rue. Les gens voulaient savoir comment est l'amour de Dieu, comment est la puissance de Dieu, comment est la patience de Dieu, comment est Dieu. Alors Dieu a dit, c'est bon, je vais me faire un corps, je vais venir parmi vous. La parole a
été faite chair et elle a habité parmi nous. L'impact de la parole dans une des boiteux, c'est pour dire qu'il y a un royaume et dans ce royaume-là, rien ne boite. Alléluia. Jésus est la lettre de Dieu. Jésus est le message de Dieu. Aujourd'hui, encore dans notre société, nous pouvons le prêcher. Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ est l'épître, le message de Dieu. Il est le messager, c'est vrai, mais c'est magnifique lorsque le messager devient lui-même le message. Et c'est pour ça que j'entre dans mon deuxième point. Parce que comme Jésus, nous aussi, nous avons besoin de cesser d'être seulement ceux qui rendent un témoignage, mais nous devons devenir le témoignage. Nous devons devenir nous-mêmes le message. Si on pouvait entrer dans une supposition, si on ne devait plus prêcher, si on ne devait plus évangéliser, si on ne devait plus dire aux gens « Jésus t'aime », combien de personnes seraient gagnées à Dieu dans notre génération? Si on était dans un coin où il était interdit de dire « Jésus », comment feriez-vous? Je me suis déjà retrouvé dans des pays, dans des églises, en train de prêcher où on se disait, non, ici, il ne faut jamais évangéliser. Donc, quand on entrait dans la prière, on fermait la porte. On savait qui devait venir prier. On était dans des pays, je ne vais pas citer ces religions-là, on était dans ces genres de coins-là. Et à un moment, je me souviens, on nous a donné l'information qu'il y avait des agents du gouvernement qui venaient espionner. Il faisait semblant de s'être converti, mais voulait savoir qu'est-ce qu'on disait pendant nos temps de prière. Bien-aimés, je redis, je ne comprends pas pourquoi toutes les chaînes de télévision, quand il s'agit d'informations, on ne donne que les mauvaises. Qu'il y a eu éboulement, qu'il y a eu séisme, qu'il y a eu ceci. Et pourtant, il y a de milliers de bonnes nouvelles. Des femmes qui mettent au monde des triplés, des quadruplés. Il y a des gens qui construisent des maisons. Il y a des gens qui achètent des champs. Il y a des gens qui ont des projets qui aboutissent. Pourquoi ces gens ne passent pas à la télé? Mais notre monde est rempli de... comment vous pouvez dormir autant? J'étais à la veillée. Là, il en parle avec un air de spiritualité. Vous savez, patron, j'étais à la veillée. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien est supposé être un modèle. Amen. J'ai vécu moi-même une expérience il y a quelques années. J'avais un gardien à la maison qui se disait être chrétien. Alors, un matin, il a commis une grande erreur. Il m'a dit, patron, aujourd'hui, Nabutu, on a l'ali, la nuit quand je dormais. Nous voulons parler de quoi en parlant de la lettre de Christ. J'aimerais particulièrement insister sur le bon témoignage. Être quelqu'un d'une bonne réputation ou avoir un bon témoignage. Bien-aimés, nous pouvons évangéliser de plusieurs manières. Nous pouvons apprendre plusieurs tactiques d'évangélisation, mais il est prouvé qu'il n'y a rien qui puisse faire avancer l'Église aussi puissamment que les témoignages de la vie de ceux qui prêchent. J'aimerais le dire encore fort, mon frère, ma sœur, on nous observe. Le monde nous observe. Quand il y a la crise, il nous observe comment nous gérons la crise. Quand ça ne va pas, il nous observe. Peut-être vous ne le savez pas, il vous espionne. Ils veulent savoir si vous aussi vous frappez votre femme. Ils veulent savoir si vous aussi vous vous chamaillez et vous venez dehors là en combat de catch. Et les dimanches, alléluia, alléluia. Le monde nous observe. Mais souvent, c'est comme si nous ne nous intéressons pas à ce côté-là de l'évangélisation. Il est donc important qu'à un niveau de notre témoignage, que les païens que nous évangélisons de mille et une façons, rien qu'en remarquant nos bonnes œuvres, la façon dont nous vivons, ils aient aussi ce message du salut qui les interpelle. L'importance d'avoir un bon témoignage, le premier point,
Nous voulons dire que notre cercle d'influence est grandement déterminé par la valeur de notre réputation. Notre cercle d'influence est grandement déterminé par la valeur de notre réputation. Ça signifie que notre réputation est proportionnée à notre influence. Ce que vous avez comme influence va donner une certaine forme, une certaine dimension, une certaine force à votre influence. Vous ne pouvez pas avoir une plus grande influence que ce que vous avez comme réputation. Si vous avez la réputation d'être quelqu'un de mauvais, même si vous venez avec une grosse Bible évangélisée, les gens ne vont pas croire à l'évangile. Et malheureusement, dans nos églises, nous sommes nous-mêmes en train de détruire ces efforts d'évangélisation parce que les chrétiens ne sont pas les modèles. Dans les entreprises où ils sont placés, ils volent comme volent les païens. Dans les mariages où ils sont, ils trichent comme trichent les païens. Et dans les familles où ils sont, ils vivent dans le péché comme vivent les païens. Et finalement, les gens ne savent pas. Bien-aimés, notre cercle d'influence, notre capacité à challenger le monde autour de nous va être déterminée par la réputation que vous avez. Si vous avez la réputation d'être quelqu'un de mauvais, vous pouvez évangéliser comme vous voulez. Les gens, ils vont pas s'en occuper. Deuxième chose, je l'avais déjà dit en introduction, mais je le rappelle de manière formelle, notre vie, comment ? Avoir un bon témoignage, c'est l'expression de la sagesse divine. Parce que si quelqu'un n'est pas sage, il ne va jamais s'occuper de l'autre. Vous allez écouter des gens dire « Ah non, moi je fais des choses comme j'aime, moi je fais ce que je veux ». Oui, cette vision non altruiste est un signe d'un manque de sagesse. Vous ne vous occupez pas des autres. Il y a plein de versets de la Bible où l'apôtre Paul, par exemple, est en train de montrer que s'il y a quelqu'un qui est faible dans la foi, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Vous devez protéger ceux qui sont faibles. Vous devez tout faire pour ne pas en être une occasion de chute. Jésus disait même à ses disciples que malheur à celui qui sera une occasion de chute pour l'un de ses enfants. Mieux vaut qu'on puisse prendre une grosse pierre, en mettre à son cou et qu'on l'enfonce au fond de la mer. Cette expression est forte. Pourquoi? Parce que celui qui a de la sagesse n'est pas un égoïste. Il regarde à son prochain et dit non, non, non. C'est vrai, je peux faire ceci, j'ai raison. C'est vrai, je peux faire cela. Mais il revient avec honte. Des années, une personne de ma famille faisait un stage dans une entreprise de la place. Et dans cette entreprise, les gens avaient l'habitude de détourner de l'argent et de se le partager. Alors, un jour, elle était jeune, une jeune dans la foi, elle arrive dans le milieu et puis elle voit les gens en train de se partager l'argent un jour, deux jours. Mais elle a été choquée le jour où elle a remarqué que le monsieur qui faisait faire la prière dans l'entreprise, un jour, le pasteur était en train de réclamer sa part de l'argent du vol. Il était fâché. Il demandait sa part. Mais c'est lui qui, tous les matins, disait « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Bien-aimés, sortons des faux-semblants. Si dans votre vie, il n'y a pas un moment d'avant Jésus et d'après Jésus, c'est que vous n'avez jamais rencontré Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, les gens doivent le réaliser. Non, il trompait sa femme à tout moment. Mais tu sais, depuis un moment, oh là là, il est fidèle. Gloire à Dieu pour vous qui changez de vie. Gloire à Dieu pour vous qui vous soumettez au Seigneur. Vous êtes en train de répandre une bonne information. Les gens se disent, ah, si lui a changé, moi aussi, je peux changer. Si cette fille qui s'est prostituée est devenue une fille calme, elle s'est reposée sur Jésus, mais elle prie réellement. Oh, mais c'est vrai, elle a vraiment changé. Donc, s'il y a de l'espoir pour elle, c'est qu'il y a de l'espoir pour moi.
Les gens qui ont un bon témoignage, ils nous aident dans l'évangélisation. Il y a quelques années, dans une des cellules de prière de l'église où nous avions œuvré, nous organisons une sortie d'évangélisation. Et comme souvent, dans les petits groupes, nous évitons de dire aux gens qu'il y aura évangélisation, parce que les gens, quand ils savent qu'il y a évangélisation, ils ne viennent pas à la prière. Ils ont peur qu'on les voit avec la Bible. Alors, ce qu'on faisait souvent, on faisait des sorties surprises. Donc, ils viennent à la prière et puis on dit, « Ok, aujourd'hui, la prière, c'est toi le prédicateur. On part. » Alors, je me souviens ce jour-là, il y a une jeune fille qui commençait à fréquenter la cellule, mais qui ne s'était pas encore convertie. Elle-même, elle est venue nous supplier. Elle a demandé, « Pardon, moi, je ne peux pas sortir prêcher avec vous. Moi, je ne marche pas bien. Si les gens me voient avec vous, ils ne vont pas accepter ce que vous prêchez. Ce que je vous dis est authentique. » Elle-même, elle a demandé, « Pardon. » Parce que j'avais inversé mes points 5 et 6. « Le bon témoignage évite les scandales. » Quand il y a un bon témoignage et que tout le monde travaille pour avoir un bon témoignage, si les gens sont soucieux d'avoir un bon témoignage, il y aura très peu de scandales dans l'église. Oh non, telle a fait ceci, oh, des frères se sont battus à l'église. Vous savez, il y a des églises, des fois, vous n'avez aucune idée. Hein? À la fin du culte, les gens... Ah! On est à l'église. Les gens sont en train de se battre. Gloire à Dieu pour les gens qui se convertissent. Parce que plus vous vous convertissez réellement, et plus vous regardez à la condition du prochain, plus vous regardez à votre témoignage, moins il y aura des scandales. Parce que les gens se disent, non, on va protéger les faibles. On va protéger les faibles. Ça me fait toujours mal. J'aimerais bien si on trouve du temps en deuxième culte, compris pour ça. Quand l'église est frappée, ça me fait mal. Je ne parle pas de l'église en tant que la borne, je parle de l'église corps du Christ. Parce qu'il y a des pasteurs aventuriers, des prophètes aventuriers. Mais bien aimé, il n'y a pas que des aventuriers, il y a des bons pasteurs. Le bon témoignage est l'expression d'un caractère transformé. Lorsque les gens vous regardent, ils voient la vie de Jésus. Dans Actes, je ne lirai pas le verset, chapitre 11, le verset 26, il est écrit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Il n'est pas dit qu'ils ont dit qu'ils étaient chrétiens. Ils n'ont pas dit qu'ils se sont présentés comme étant des chrétiens. Le mot chrétien est un mot qui nous a été légué. On nous a donné ce nom. C'est-à-dire les gens ont vu la manière dont cette communauté vivait. Ils ont dit, ah, ces gens-là ressemblent à Jésus. Ils sont comme Jésus. Je repose ma question. Si toi et moi, nous arrêtions de parler de Jésus, est-ce que juste en nous regardant, les gens diraient que vous êtes chrétiens? Est-ce que les gens diraient que toi et moi, nous sommes chrétiens? J'aimerais donner quelques exemples pratiques qui nous permettront de comprendre cette importance. Mon premier exemple et mon deuxième sont tirés des actes des apôtres. Nous lirons Actes chapitre 6, le verset 3. Actes 6, verset 3, la Bible dit, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende, est-ce qu'on peut lire ensemble, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Alléluia. Acte 11, verset 24. Car c'était un homme de bien. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Ces deux versets ont en commun quelque chose, c'est que le bon témoignage est cité avant la plénitude du Saint-Esprit. Nous, en tant que pentecôtistes, nous mettons tellement un accent sur le Saint-Esprit. Jésus! Gloire à Dieu. Si on nous enlevait les rababababa, quelle est la puissance que dégage notre vie? Les théologiens se demandent pourquoi Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, quand il est en train de citer, il ne commence pas par dire « rempli du Saint-Esprit ». Ah oui, nous les pentecôtistes, on aurait aimé qu'on commence par notre cher Saint-Esprit.
D'abord le Saint-Esprit. Mais Luc ne parle pas d'abord du Saint-Esprit. Il parle d'abord de quelqu'un de bien. Un homme de bien. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à vous passer un homme de bien? Est-ce que dans votre quartier, vous êtes connu comme étant un homme de bien? Est-ce que là où vous travaillez, vous êtes connu comme étant un homme de bien? Est-ce que vos chefs vous connaissent comme étant un homme de bien? Est-ce que vos subalternes vous connaissent comme un homme de bien? Est-ce que vos étudiants vous connaissent comme un homme de bien? C'est-à-dire, quand vous le voyez, vous dites, ah non, c'est un homme de bien. Un homme de bien. On rend de lui un bon témoignage. Ensuite, il est rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il est rempli de sagesse. Ensuite, il est rempli de foi. Donc, les premiers disciples ne blaguaient pas avec le bon témoignage. Acte 6 nous parle du choix. Malheur à vous qui êtes une occasion de chute pour les autres. Un jour ou l'autre, le Seigneur vous fera payer. Parce que Dieu n'aime pas qu'on joue avec les âmes. Dieu n'aime pas qu'on joue avec l'éternité des autres. J'aimerais que nous puissions nous sentir responsables de ces personnes-là qui ne connaissent pas Dieu. Eux ne jouaient pas avec le bon témoignage. Dans Lévitique, chapitre 19, le verset 14, la partie B, je vais tout lire, mais insister sur la partie B, tu ne maudiras pas un sourd. C'est-à-dire, tu es en face de quelqu'un qui n'entend pas, il ne faut pas commencer à maudire un sourd. Tu maudis un sourd, déjà il ne t'entend pas. Mais aussi c'est méchant. Hein? Il n'entend pas, mais tu le maudis. Mais deuxièmement, il est parlé d'un aveugle. Il est dit, tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Alléluia. Les païens sont des aveugles. Même s'ils ont des grosses maisons, ce sont des aveugles. Même s'il est milliardaire, c'est un aveugle, il ne connaît pas Dieu. Même s'il vous semble être heureux, même si vous la voyez se pavaner dans ses biens de ce monde, c'est une aveugle. Nous ne devons pas mettre quelque chose qui puisse les faire tomber. Mais souvent nous mettons des choses qui les font tomber. Nous agissons comme si nous connaissions même pas Dieu. Quand les gens nous regardent, est-ce que notre christianisme peut les pousser à se convertir? Éphésiens, chapitre 6, sera mon dernier exemple pratique. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il donne des exemples sur comment vivre, comment se comporter. Au chapitre 5, il parle de relations conjugales, il parle du fameux problème qui existe dans tous les mariages du monde. Si vous êtes marié, vous savez que toutes les femmes disent que le mari ne l'aime pas souvent ou ne l'aime pas suffisamment. Et que les hommes se plaignent que la femme n'est pas suffisamment soumise. Ça, c'est un conflit des siècles. Ça dure des générations. Il ne m'aime pas. Si tu m'aimais vraiment... Ou non, tu n'es pas soumise. Donc c'est toujours ça, c'est un cercle vicieux. Mais souvent, il est prouvé que l'amour de l'homme va provoquer la soumission de la femme et que la soumission de la femme va provoquer l'amour de l'homme. Bon, je n'ai rien dit, ce n'est pas sur ça que je prêche. Alléluia. Mais dans Éphésiens, après avoir parlé aux mariés, au chapitre 5, l'apôtre Paul entre maintenant dans le domaine des relations de famille, enfants-parents, travailleurs-patrons, patrons-travailleurs. Il dit ceci, enfants, verset 1, Éphésiens 6, 1 à 9. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ah, voilà un secret pour vivre longtemps. Obéissez à vos parents, vous qui êtes enfants. Mais il n'y a pas que les enfants qui ont leur part. Dieu ne rate personne. Maintenant, on s'en prend aux parents. Ah, parce que les parents, quand ils vous disent, Boyoki, voilà, on vous a parlé, les enfants. Oui, oui, oui. Maintenant, vous, parents, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Oui, il faut les corriger. Pensez qu'un parent allait dire, Amen. Il faut corriger les enfants. Il y a des parents ici trop démocratiques. Il faut corriger les enfants. Moi, je n'ai pas dit frapper, j'ai dit corriger. C'est-à-dire quand l'enfant fait quelque chose de mauvais,
Il faut corriger. Il est aussi écrit, n'éloigne pas le bâton de la correction. Un homme de Dieu disait que lui, il ne frappe pas ses enfants avec ses mains. Il les utilise pour les bénir. Il préfère les frapper toujours avec un bâton. Pour que quand il imposera les mains, il ressente toujours l'amour. Bon, ça n'engage que lui, hein. Mais bien aimé, il y a des parents qui irritent. Ils irritent les enfants. C'est-à-dire, l'enfant a même envie de quitter. Le papa du garçon parle et il commence à parler à son fils. En pleine cérémonie, il dit, mon fils, ça fait 42 ans que je suis marié avec ta mère. Je ne l'ai jamais frappé. Tu ne l'as jamais entendu pleurer. J'aimerais que tu fasses la même chose. J'ai regardé ses papas, j'ai dit, hey, Seigneur, il y a des gens qui ont vraiment rencontré le Seigneur. Hein? Mais des fois, dans nos églises, il y a des boxeurs. Ben, ici, il n'y en a pas. Par acclamation, on peut montrer qu'il n'y en a pas. Ouais. Donc, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Mais certains mariages sont des rings de boxe et les voisins sont les arbitres. Ils connaissent même les programmes de combat. Et ils viennent arbitrer, et ils ont commencé, ça vient de commencer. Ah! Vous savez, ça fait mal. Des fois, en tant que pasteur, quand on nous appelle pour des conflits dans les familles des chrétiens qui font des choses ignobles, c'est malheureux. Et des fois, les enfants sont irrités par toutes ces choses. Vous allez trouver des enfants qui n'ont pas envie de se marier. Je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai entendu des gens dire « je ne me marierai pas » parce que mes parents ne m'ont pas donné envie de me marier. Je trouve que le mariage, ça ne sert à rien. Parents, n'irritez pas vos enfants. Élevez-les en les corrigeant, en les instruisant. Ah, il n'y a pas que les parents. Hein? Au verset 5, il s'en prend maintenant aux travailleurs. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. » Ah, voilà le bon témoignage. Que votre patron sente que vous avez l'obéissance. Il ajoute avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur. Mais là, il dit comme à Christ. Il dit donc au travail, de la même manière que vous vous empressez de venir à l'église, il y a un programme. Obéissez à votre chef comme ça. Ça, c'est très peu de gens diront amen. On va chercher des raisons. Non, il ne me paye pas bien. Hein? Il a dit comme à Christ. Le modèle de l'excellence doit venir de nous, Église. Il faut que l'homme le plus honnête de la société, ce soit vous. Dans l'entreprise, si on cherche quelqu'un qui arrive à temps, ça doit être vous. Je sais que tu ne diras pas amen. Je ne vais pas dire celui qui reste après les heures de travail, c'est vous, non, parce qu'il n'y a pas de contraintes légales. Vous pouvez partir quand l'heure du travail est finie. Mais vous devez avoir un bon témoignage. Pas les gens des témoignages grossiers que des fois certaines vies dégagent. Verset 7. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. Et puis maintenant il s'en prend au chef. Et vous maîtres, vous les patrons, vous les chefs d'entreprise, vous les bailleurs, vous les bailleresses, chrétiens et chrétiennes, mamal ou pangou, vous qui avez de l'autorité sur les autres, n'en abusez pas. Il dit, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que votre maître, leur maître, qui est aussi votre maître dans le ciel, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Est-ce que vous réalisez, des fois, quand vous avez l'autorité sur les gens, que votre influence de chrétien peut aussi s'exprimer? Que les gens se rendent compte, non, on a vraiment un chef chrétien. Je ne sais pas où vous travaillez, je ne sais pas si vous êtes politicien, vous êtes enseignant, vous êtes comptable, vous êtes ingénieur, mécanicien, maçon, mon frère, ma soeur, où que tu sois, docteur, infirmier, je t'en supplie. Les gens veulent lire le message. Ils veulent lire le message qui sort de notre vie. Ce message-là, quel est-il? Je l'ai résumé en 3 points. Ce message-là doit d'abord être le message de l'amour de Dieu. Quand les gens
nous voir. Ils doivent être captivés par le message de l'amour de Dieu. Notez que l'amour est le niveau le plus élevé de l'expression de votre foi en tant que chrétien. Il n'y a aucun niveau supérieur à l'amour. C'est pour ça que Paul, quand il parle aux Corinthiens qui avaient tous les dons spirituels, il leur dit, vous pouvez avoir tous les dons du monde, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Vous êtes des cymbales qui retentissent. Je répète encore, Église, l'amour est le paroxysme de la spiritualité chrétienne. C'est-à-dire au niveau le plus élevé d'être un homme spirituel, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas les dons, ce n'est pas ressusciter les morts, mais c'est l'amour. C'est pour ça que Jésus dit que si vous vous aimez les uns les autres, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que quand les gens nous regardent, ils voient de l'amour? Nous dégageons l'amour? Ou bien nous utilisons notre position pour mépriser les autres. Deuxièmement, ce message-là, c'est le message d'un caractère transformé. C'est le caractère d'une vie transformée. Une vie là où Jésus est passé. J'ai précisé entre parenthèses, le pardon à demander ou le pardon à accorder. Un bon chrétien, on le connaît par des choses simples. Si vous allez dans un pays, dans un endroit, vous entrez dans une église, vous n'avez jamais été, comment faites-vous pour savoir que vous êtes dans une bonne église? C'est parce que le pasteur prie en langue? C'est parce qu'il prophétise? C'est parce que quand il prie, les gens tombent? Non. C'est parce que dans cette église, il y a l'amour. Mais c'est aussi parce que dans cette église, dans cette communauté, il y a des vies transformées. Vous sentez que vous êtes avec des gens qui... Donc quelque chose s'est passé dans leur vie. Ils dégagent une vie transformée. Ils sont capables de dire, excuse-moi, pardonne-moi. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui vous cognent, ils disent, ben, jamais pardon. Pas dans les taxibus, à l'église. Vous êtes même en train de prier comme ça, ils vous piétinent. Ils disent même pas pardon. Ici aussi, je sais qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Non, ici, il n'y en a pas. Non, ici, il n'y en a pas, ce genre de personnes. N'est-ce pas? Le caractère d'une vie transformée par le pardon. Les chrétiens sont devenus des personnes qui pardonnent difficilement. Rancuniers, mais enfants de Dieu. Oh, rancuniers, mais parlant en langue. Oh, rancuniers et remplis du Saint-Esprit. Je me demande c'est quel Saint-Esprit finalement. Nous sommes capables de nous réconcilier, de nous aimer, de nous supporter. Les gens nous regardent à un niveau où on ne peut pas l'imaginer. Troisième dimension du message que la lettre doit donner, c'est la culture de l'excellence. La droiture, la loyauté, l'honnêteté, on pourrait citer tout un tas de choses. Un chrétien devait être un homme excellent. J'aime souvent dire qu'un chrétien devait être un bon citoyen. Il devait même être le meilleur des citoyens. Il devait, autant qu'il aime payer la dîme, il devait être celui qui devait s'acquitter de ses charges fiscales. Bon, ça, je sais que vous ne direz pas amen. Il achèterait tous les documents essentiels dont il a besoin pour son business, pour ses véhicules et toute autre chose. Normalement, un chrétien, si vous l'embauchez chez vous, vous devez être tranquille. Ah. Mais combien n'ont-ils pas été déçus? J'ai écouté plusieurs fois des gens dire, non, moi je ne prendrai jamais un enfant de Dieu au travail. Jamais, jamais, jamais. Mais même arrivé de proposer à certaines personnes, non, je connais quelqu'un dans telle église, tu peux l'aider. Surtout pas. Va commencer à fuir le travail pour les jeûnes et prières. Bien aimé, le mauvais témoignage est un grand danger. Il peut détruire en quelques secondes ce que vous avez construit pendant beaucoup d'années. C'est ça le mauvais côté du mauvais témoignage justement. Dès que vous avez quelqu'un qui commet une bêtise, on oublie tout ce qu'il a fait de bien. Vous pouvez avoir été un bon chrétien pendant 45 ans, craignant Dieu.
Mais la seule bêtise de votre vie détruit toute votre carrière. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prendre au sérieux cette histoire de témoignage. Frères, sœurs, prions pour cela et demandons souvent à Dieu de nous donner la sagesse pour que nous ne puissions pas le diluer dans la société dans laquelle nous vivons. Le mauvais témoignage est une arme préférée de Satan pour jeter le discrédit sur l'Église. Satan sait que si nous avons un mauvais témoignage, ça va diminuer l'impact de l'Évangile. Je vais le dire de manière crue, notre mauvais témoignage combat l'Église, combat le Seigneur, combat les efforts du royaume de Dieu d'avancer. Tout ce qu'on fait comme effort pour avancer se dilue dans le mauvais témoignage. Comment arriver à développer un bon témoignage? Premièrement, prendre la décision. Vous devez vous engager à ne plus ou à ne pas être un contre-message. Décidez, prenez cette décision-là. Deuxièmement, demandez-le à Dieu par la prière. Demandez à Dieu de toucher votre cœur. Parce que le bon témoignage, c'est le résultat de votre intimité avec Dieu. Je ne vous prêche pas la religion, je ne vous prêche pas des efforts que vous devez faire pour changer, non. Le bon témoignage découle d'une vie de communion avec Dieu. Plus vous approchez réellement de Dieu, je ne parle pas de venir à l'église, même si c'est à la banque que vous venez, non. Je parle de venir à Dieu, parce que vous pouvez venir à la banque sans venir à Dieu. Vous pouvez être assis là sans être dans la présence de Dieu. Vous pouvez être fidèle à la banque et pas être fidèle à Dieu. Je parle de quelqu'un qui a une communion avec Dieu, de quelqu'un qui s'intéresse à être sincère devant Dieu. Vous dites, Seigneur, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu me changes. Et quand tu me changeras, ma vie dégagera un parfum. Troisièmement, s'engager à laisser Dieu dominer sur notre volonté. Vous prenez l'engagement, vous dites à Dieu, Seigneur, viens dominer sur ma volonté. Viens dominer sur ma propre volonté. Et là, j'ai un verset, Job, chapitre 23, le verset 12, que j'aime beaucoup. Il est dit ceci, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. » Écoutez ce que la Bible dit, « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Ce n'est pas que Dieu a plié sa volonté. Il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai pris l'engagement. Il dit, Seigneur, brise-moi, change-moi. Seigneur, change-moi. Que je ne puisse pas vivre seulement mes goûts, mes choix, mais que je puisse vivre ta volonté. Amen. Que ta volonté passe avant la mienne. Et pour conclure, j'aimerais que nous puissions lire 1 Pierre, chapitre 3, le verset 1. Un texte qui parle dans le cadre du mariage. Un texte qui s'étend par rapport à une relation homme-femme, mais que nous pouvons nous appliquer. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Alors je nous pose la question, qu'ils soient gagnés comment? Sans parole. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, gagnés sans mots? Ce texte aurait dû être mon introduction, mais j'ai prévu que ce soit dans la chute, dans la conclusion, pour que nous puissions nous souvenir que Pierre challengeait les femmes de sa génération, les femmes qui le lisaient, les femmes de cette église, pour leur dire, « Maman, vous avez épousé un mari païen, vous avez fait des efforts, vous venez à la réunion des mamans vous donner des requêtes. Oh, mon mari est païen, c'est bien, vous voulez qu'on évangélise, gloire à Dieu. » Mais il y a une technique d'évangélisation que Pierre donne à ces femmes. Il dit, « Certaines catégorie d'hommes, vous pouvez les gagner en utilisant la méthode d'évangélisation dite la méthode sans parole, virgule, par la conduite.
Ici, c'est vrai qu'il s'agit des femmes, mais il peut s'agir aussi de l'homme. Il peut s'agir de nous en tant qu'Église, épouse du Seigneur. Est-ce que quand les gens nous regardent à notre manière de vivre, ont-ils envie d'écouter le message que nous donnons? Le verset 1 Pierre 3.1 dans la version en français courant dit ceci: « Vous de même, femmes, soyez soumises à votre mari, afin que même si quelques-uns d'entre eux résistent à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi par votre comportement. Des paroles ne seront même pas nécessaires. » Est-ce qu'on peut le répéter? Les paroles ne seront même pas nécessaires. Pendant des années, nous avons cultivé une technique d'évangélisation qui est basée sur la bouche. Dieu en reconnaît l'efficacité. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur que nous puissions parler de cette tactique d'évangélisation qui s'appuie sur notre vie et une vie qui devient une lettre que les gens doivent lire. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble et prier parce que cela nous concerne tous en tant qu'Église, en tant que chrétien, du moins si vous l'êtes. Tellement de scandales, tellement de personnes qui n'en veulent pas à la foi chrétienne, parce que nous, la lumière, la lampe a été mise en dessous de la table. Le sel a arrêté de donner de sa saveur, de sa salinité, et le monde est sans goût à cause des chrétiens, sans goût. Le monde est dans le noir à cause de nous. J'aimerais que nous puissions parler à Dieu et que nous puissions lui dire: garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité. Parler à Dieu pendant un moment ensemble et lui dire: Seigneur, j'aimerais que ma vie soit un message pour toi. J'aimerais que ma vie soit un livre ouvert dans lequel les gens peuvent lire. Vous êtes manifestement la lettre de Christ, l'épître de Christ pour une génération, l'épître de Jésus pour une famille. Côté de l'épître de Pierre, de l'épître de Jean, de l'épître de Jacques, de l'épître de Jude, il y a l'épître du Christ. Je veux être l'épître de Jésus. Je veux être la lettre de Jésus. Que ma vie soit un message de l'amour, du pardon, de la paix, de la joie. Que je ne communique pas la tristesse aux autres, que je ne communique pas la peur aux autres. Que je communique la vie, que je communique la tranquillité que Dieu me donne. Que je communique le goût de servir Dieu. Garde-moi dans tes voies. Je n'ai qu'un désir, je
pour toi. Déclarer encore comme une prière, feu du fondeur. J'aimerais que nous puissions ensemble en tant qu'église prier. Priez pour l'église, le corps du Christ. Bien sûr pour l'église de la Borne, mais priez aussi pour l'église partout où l'église se trouve. Au Pérou, en Chine, je ne sais, en Bolivie, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Afrique du Sud, au Togo, à Kinshasa, Brazzaville, dans le monde de nous. Prions un moment pour que le Seigneur protège l'église. Que le Seigneur nous donne de vivre une vie chrétienne responsable et qu'il éloigne les scandales, qu'il nous épargne des scandales qui endurcissent les cœurs, qu'il éloigne les hommes et les femmes de Dieu. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Être saint, être saint. Oh, 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 prends ma vie, transforme-la. Éternel notre Dieu, tu as parlé à nos cœurs et ta parole dans ma vie par Jésus-Christ ton Fils et nous disons Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci pasteur Roger, parce que vous n'avez même pas pris de détour, vous êtes allé droit au but, puisque Dieu veut que nous puissions être lumière, que nous puissions être le sel de la terre. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, voilà, le service de protocole va vous remettre un dépliant dans lequel vous allez trouver les programmes de notre église. Et là, il y a une partie détachable. Vous remplissez les coordonnées. Et vous allez laisser tout à l'heure, lorsque on va vous appeler, dans un salon préparé à cet effet. Nous voulons rappeler la réunion des dames, c'est mardi le 15 novembre à partir de 16h45.
Et ne l'oubliez pas, nous sommes en train de préparer la conférence Éclat 2e édition. Cette conférence va avoir lieu, comme vous le voyez, à partir du mercredi 23 jusqu'au vendredi 25 novembre. Toutes les mamans sont invitées et voilà une occasion pour que notre conduite puisse aussi ramener des voisines, des collègues de service à cette conférence où elles vont venir écouter la parole de Dieu. Pendant que les femmes sont en réunion le mardi, les hommes aussi sont en réunion à partir de 16h dans la chambre haute. Le samedi de cette semaine, à la fin de cette semaine, il y aura à 11h en ces lieux la bénédiction nuptiale des couples ci-après, couple constitué par le frère Ngwalampila Fiston et Loko Aïda Mina. Donc vous les voyez là-bas, les anneaux sont prêtes, il ne reste plus que cette cérémonie. Le deuxième couple, c'est celui du frère Miaka Bakeyala Christian et la sœur Moza Abedi Emmanuela. Au premier culte, nous avons vu l'un de ces couples. Est-ce que le deuxième est là? Ce couple qui est en train de passer son dernier dimanche de célibat. Parce que dimanche prochain, ils vont venir de plus en plus en uniforme. Que le Seigneur soit loué. N'oublions pas de prier pour eux. Nécrologie. Le docteur Lissassi, médecin directeur du CHB, a perdu sa maman à Lubumbashi. Du protocole et vous pouvez demander ce dont vous avez besoin pour apporter aussi votre contribution. Nous arrivons à la fin de notre culte. Nous allons nous tenir debout. Nous remercions le pasteur Roger. Nous remercions la jeune. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions que tu nous aides à être exactement ce que tu veux que nous soyons. Transforme nos vies pour que nous soyons cette lettre que tu veux nous voir être.